Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une autre émission « Ça se passe chez vous ». Alors cette semaine, comme à toutes les semaines, j'ai des invités. Comme vous pouvez voir, cette semaine, on est assis. Une raison particulière, c'est ma première invitée, Myriam Cloutier. Elle est bientôt maman, alors on a décidé effectivement de prendre soin d'elle, puis on l'a assise. Alors à partir de là, ça a été un front commun, l'unanimité. On s'est tous assis autour de la table, parce qu'habituellement, on est debout. Ça jase, puis oui. Bon, anyway. Ceci dit, Myriam, bonjour. Bonjour, Herman. Myriam, on va jaser de quoi avec toi aujourd'hui? Avec moi aujourd'hui, on parle de politique familiale, de la MRC de Charlevoix, mais principalement du plan d'action en lien avec la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, les démarches qu'on fait, puis surtout les actions à venir et les défis à surmonter les prochaines années. Ça risque d'être très intéressant. Patrick Rezuron, oui. On va parler de quoi avec toi? On va parler d'apprentissage du français et du service d'accueil de la MRC de Charlevoix. OK. Donc, on parle de langue et d'accueil de personnes qui viennent de l'extérieur, c'est officiel. De nouveaux résidents. De nouveaux résidents. Super. Et Susanna Ochoa, bonjour. Bonjour, ça va bien? L'accent, on sait que vous êtes une immigrante. Elle vient du soleil. Elle vient du soleil. Oui, c'est ça. Vous êtes... vous avez différents chapeaux, mais aujourd'hui, on va parler de... On va parler des langues, de l'espagnol, de le français, de l'apprentissage, peut-être un peu de l'intégration. Ah bon, ça va être la diversité autour de la table. Oui, c'est ça. Et de la mixité par le fait même. Voilà, super. Tout à fait. Myriam, oui? On parle d'un plan concocté par la ville, un plan familial. Bien, tout d'abord, ce que vous voulez savoir, c'est que la politique familiale, c'est une politique de la MRC, avec un plan d'action qui est 2016-2020. Donc, c'est une démarche qui remonte 2016-2020, donc c'est déjà... Oh oui, c'est une démarche qui a été entamée passée, donc un plan d'action de 4 ans qui a été réalisé sur le territoire de la MRC de Charlevoix, mais aussi dans les différentes municipalités du territoire. Okay. Donc, Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Urbain, Saint-Hilarion et évidemment, Baie-Saint-Paul. Les actions ont été faites par justement un comité là, de famille, des parents qui étaient impliqués, qui ont parlé des problématiques, des choses à améliorer sur les territoires et tout se retrouve dans ce guide-là. Puis d'ailleurs, pour les gens, sur le site internet de la ville de Baie-Saint-Paul, on peut retrouver une copie. Sur le site internet de l'MRC, on peut retrouver une copie aussi pour les gens qui veulent savoir, bon, c'est quoi. Un plan d'action, globalement, à quoi ça sert pour les gens qui sont moins familiers? C'est vraiment un plan qui aide les élus à se diriger dans leurs décisions. Donc, surtout, en plus, on est en élection prochainement. Et qui préoccupe effectivement sa population. Ben certainement, parce que qui dit population dit famille. Je veux dire, ça vient automatiquement, tu sais, c'est nos futurs enfants. Puis famille, je tiens à dire... Mais il y a les jeunes enfants. Mais pour moi, pour nous, la famille, c'est élargi, c'est les aînés, c'est global là, comme plan d'action, je vous dirais. En fait, nous, ce qu'on fait pour le suivi de ce plan d'action-là, donc on peut s'informer sur Internet si on veut avoir l'information, ou parler à la MRC, etc., aux intervenants des différentes municipalités. Nous, on fait affaire à Baie-Saint-Paul principalement, avec la table Famille Charlevoix, qui est un regroupement de parents qui veulent améliorer les conditions de vie des familles dans la région. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, on travaille en collaboration avec eux pour les parents qui sont déjà impliqués dans cette démarche-là. Bon, bien, qu'est-ce qui peut être fait ensemble pour améliorer les choses à Baie-Saint-Paul? La table famille, ce qui est intéressant, c'est que les parents peuvent s'impliquer tout au long de l'année, puis avoir des résultats aussi, parce que dépendant des projets qui s'impliquent, il y a un accompagnement qui est fait présentement par Mme Claudia Bouchard, qui coordonne la table famille Charlevoix. OK. Donc, nous, une fois par année, on fait une rencontre suivie annuelle qui a eu lieu le 5 octobre dernier au Mousse Café. Okay. Non, oui. Bon, je vous parle un peu de ce qui s'est passé là-bas. Donc, ça, c'est des parents de la table famille, d'ailleurs, qui sont venus intéressés à savoir, bon, qu'est-ce qui a été fait par la ville de Baie-Saint-Paul et qu'est-ce qui reste à venir. Et aussi, on est là pour les écouter parce que un plan d'action s'est fait en 2016, mais on comprend qu'en 2016, c'est 2020. On s'adapte. Ben, c'est exactement parce que ça. Ça se modifie. Ben oui, effectivement. Puis dans le contexte des nouvelles élections aussi, bon, y a-t-il des choses que les parents étaient plus intéressés à aller plus loin ou pas? T'sais, c'est vraiment. Cette rencontre-là a eu lieu, puis c'était au Mousse Café. Fait qu'on essaie vraiment de. Parce que qui dit famille dit aussi, je pourrais dire, restriction contrainte de temps. T'sais, des fois, les parents, le soir, bon, le souper, le dodo, on a essayé de faire ça, que c'était une journée pédagogique le lendemain pour faciliter tout ça. Fait que d'être à l'écoute le plus possible de ces parents-là. Le plan, donc, date de 2016. Ouais. Les grandes lignes de ce plan-là, c'était quoi en 2016? C'est un plan sur 2016-2020. Donc, c'est des actions pour les 4 ans. Okay. Il y a des thématiques différentes comme loisirs et culture, qui est, je vous dirais, un des thèmes majeurs au niveau des familles qui a été ressorti. Il faut les occuper, nos enfants. Bien, certainement. Les deux pôles d'attraction, c'est les loisirs. On les amuse comment? Fait que c'est sûr que ça, c'est un sujet chaud, je vous dirais. On les sensibilise à la culture. Certainement. Okay. Certainement. Mais les loisirs aussi sportifs, tout ça, c'est vraiment global.
On a aussi des thématiques de communication, évidemment, parce que transmettre l'information famille, c'en est une. Mm-hmm. Action mm-hmm. qui est à faire dans Charlevoix. Surtout qu'on est dans un milieu qu'il y a des gens qui sont un peu plus isolés à différents endroits. Fait que comment bien rejoindre ces gens-là? Il y a aussi au niveau des travaux publics, donc le transport actif. Comment faire pour que notre mobilité au niveau de la ville s'améliore? Il y a eu beaucoup d'actions, là. Ben là, je vous parle un petit peu du passé, je vais vous parler des défis à venir. Au niveau des loisirs, globalement, ce qui a été fait, je vous dirais, puis qui avait été dans les actions, c'était les préinscriptions et les inscriptions par Internet. Que c'est des sujets qui sont très importants pour les familles d'ici. Puis en même temps, je les comprends, c'est pour faciliter aussi l'accessibilité mm-hmm. aux loisirs, parce que présentement, comment que ça fonctionne, c'est que pour les inscriptions de loisirs, il y a un programme qui est publié dans l'hebdo, et par la suite, il y a des inscriptions qui sont faites à l'hôtel de ville, une journée fixe qu'on peut rencontrer les intervenants, les autres qu'on peut venir à l'hôtel de ville. Donc nous, ce qu'on a intégré dans les dernières années, c'est les préinscriptions, principalement pour les cours contingentés. Donc, on parle des cours de natation, les cours du jardin d'enfants, pour éviter que les parents attendent quand ils sont déjà des clients de la ville de Baie-Saint-Paul. Fait que ça a déjà été mis en place. Évidemment, dans l'avenir, on est très tourné vers l'Internet. On souhaite que ça fonctionne. Bien, de plus en plus, ça fait partie de nos vies, c'est notre quotidien. Ben oui, puis... ceux qui ne veulent pas, ils résistent. Il y a toujours des résistants à tout. Ils pourront venir nous rencontrer. Bon. C'est pas parce qu'on change pour l'Internet qu'on n'aura pas de rencontre pour que les gens puissent poser leurs questions. Parce qu'Internet, c'est très facilitant, mais c'est aussi qu'on perd le contact avec le professeur, des fois, pour poser des questions, des choses comme ça. Effectivement. Les inscriptions par Internet, le plus difficile, en fait, c'est le bon logiciel qui convient pour aller avec l'administration de la ville de Baie-Saint-Paul, puis surtout, à quel coût. Donc ça, c'est un défi qui s'en vient, mm-hmm. avec nos nouveaux élus, les nouveaux projets. Donc évidemment, l'achat de ce logiciel-là, puis l'intégration de ça dans les mœurs de la population. Fait que ça s'en vient au niveau des loisirs très prochainement. Okay. Il y avait aussi, évidemment, l'amélioration de l'offre. Il avait été ciblé dans la politique d'améliorer les 0-5 ans, puis les 10-17 ans, particulièrement. Les autres aussi, mais c'était deux clientèles qu'on sentait qu'il y avait des lacunes au niveau de l'offre en loisirs. Fait que dernièrement, évidemment, il y a eu le programme Pirouette et Cabriole. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, Pirouette et Cabriole. C'est un programme avec Mme Diana Miotte, que c'est parents-enfants. Donc, c'est des enfants de 0 à 5 ans. Mmh. Puis, justement, c'est des exercices avec les enfants. C'est une session, de mémoire, je pense que c'est 8 semaines. Il faudrait vérifier, là, je vous avoue. Donc, c'est sur session, plusieurs cours. Puis aussi, pour s'adapter aux réalités des parents, la Ville a créé avec Diane les matinées galipettes. Donc, ça, c'est à la fois. Parce qu'on sait que des fois, les parents, c'est difficile de s'engager sur une session. Puis on comprend, hein, parce que des fois, ça bouge, on a plusieurs enfants, tu sais, faut... Fait que ça aussi, ça a été quelque chose qui a été fait. Donc, matinée galipette aussi, donc parents-enfants, des exercices pour la motricité, de différents ça, exercices. Parce que j'allais dire, zéro, hein? Ben zéro, on s'entend, j'accoucherai pas et j'irai pas nécessairement à la session, mais on parle, mettons, d'un enfant de 6 mois. Oh, c'est ça, exactement. Donc, 0-5 ans, c'est un peu la... On commence à le voir aller, on voit sa motricité, on voit comment il réagit, donc on est capable, effectivement... Et rencontrer les parents aussi. Ouais. Ça, c'est le genre d'occasion qu'on peut voir, bon, mon enfant, est-ce qu'il est normal? Ah, okay. Oui, puis être accompagné par une femme qui a de l'expérience comme Diana Miotte, c'est inestimable, parce qu'elle, elle est beaucoup, beaucoup dans cet âge préscolaire-là. Elle a enseigné aussi au niveau du cégep et tout ça, fait qu'elle a beaucoup d'expertise. Ça a été fait pour les 0-5 ans, puis évidemment, à supporter sans des femmes qui agissent énormément là-dedans. Mmh. Tu sais, c'est tout ça, c'est global, là, ce type de plan-là. Là. Il y a plusieurs intervenants là, qui agissent à ce titre-là. Au niveau des ados, ça fait deux étés qu'il y a eu une réintégration de la balle molle en période estivale. Donc, des parents bénévoles qui s'impliquent pour pouvoir que nos jeunes ados puissent faire de la balle molle. Il y en avait eu beaucoup avant, ça s'avait perdu, puis là, tranquillement, ça se réintègre. Fait que, ça, c'est un exemple là, que je vous donne des choses qui ont été améliorées. C'est pas juste le soccer. Puis, il y a d'autres choses. Puis en même temps, j'en profite pour dire, autant avec la table famille qu'avec la ville de Baie-Saint-Paul, des fois, on a une expertise dans un certain champ d'action au niveau d'un sport particulier ou d'une thématique. Venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous écouter. Puis si vous avez le goût d'être formateur, on est là pour vous accompagner. On est là pour vous... Justement, vous avez parlé des langues tout à l'heure. Bien, c'est ça. Votre expertise au niveau de l'espagnol, c'est génial ce que vous faites comme cours d'espagnol. Ça ne s'offre pas dans la région. C'est quelque chose de plus. Tant mieux. Il faut vraiment aller vers l'avant là-dedans, je crois. En fait, c'est d'offrir une panoplie de services qui pourraient être un petit peu choisis par les familles selon le champ d'intérêt.
Mais chose certaine, c'est de les offrir. Si on ne les offre pas, on ne peut pas les offrir. Mais il faut être conscient aussi que dans un milieu, qu'on est une ville de 7000 quelques habitants, l'implication bénévole de parents ou d'intervenants est nécessaire parfois pour partir des loisirs. On ne peut pas toujours avoir des gens avec une grande expertise dans un milieu un peu éloigné pour offrir un domaine. Fait que des fois, si vous avez une expertise particulière, signifiez-le. Vous ne serez peut-être pas tout seul à avoir des gens qui vont s'ajouter avec vous, mais ça peut faire vraiment avancer les choses. C'est dans cet angle-là que je veux le mentionner. Donc, ça a été le cas pour la balle-molle, avec des parents, des gens qui se sont impliqués. On a aussi, il y avait l'action, l'amélioration du camp de la vallée. Donc, le camp de jour à Baie-Saint-Paul, au niveau de la sécurité, de la diversification, ça faisait partie des objectifs. Nous, en fait, à la ville, on est rendu accrédité de l'ACQ. Donc, qui l'Association des camps du Québec. Ça, c'est une accréditation qui est très sévère au niveau de la sécurité et des plans d'action. Donc, évidemment, on a écouté les parents, on fait des démarches, on entend des choses pour savoir exactement. Bon, dans les contextes là, de sécurité dans les écoles, je donne un exemple. Là, il arrive un état d'urgence dans l'école au moment du camp de jour. Il faut savoir exactement où sont nos jeunes, avec qui sont là ce matin. Donc, les listes de présence, la sécurité au niveau des plans d'eau. Tout ça a été, on est rendu à la norme des camps du Québec, aujourd'hui au camp de la Vallée. Fait que ça a été vraiment une belle évolution. Il y a encore du chemin, évidemment, parce qu'il y a toujours de l'amélioration dans tout ce qu'on fait. Mais on y va vraiment dans, je pourrais dire, avec les demandes des parents, là. C'est de suivre cette norme-là, puis d'être capable d'être actif. Alors, d'après ce que je peux voir, le plan a été mis en place en 2016. Il y a quand même plusieurs actions qui ont été faites. Déjà, il y a plusieurs actions. Il y en a d'autres qui vont venir, mais on s'ajuste au fur et à mesure. Donc, il y a des rencontres annuelles où on rebrasse un petit peu qu'est-ce qui a été fait, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on regarde la même orientation. Exactement. Puis, évidemment, c'est une politique familiale de la MRC de Charlevoix. Fait que le comité officiel, c'est un comité qu'il y a des intervenants des différents organismes, des gens comme moi, des élus d'autres municipalités, parce qu'à Baie-Saint-Paul, on est un peu plus populeux. Donc, moi, je suis quelqu'un de l'administration qui travaille au niveau du plan d'action. Ce n'est pas le cas de toutes les municipalités, la plupart, c'est des élus qui sont sur ces comités-là. Fait qu'à l'aube d'un changement aux élections, tu sais, des fois, ça peut être sensibilisé aussi à notre municipalité, là, différentes choses. Là, je sors un petit peu des loisirs, je vous apporte dans le transport actif, parce que les familles, autant les aînés que les jeunes mamans, que je serai future, et toutes les autres jeunes mamans, jeunes parents, c'est être capable de se déplacer de façon sécuritaire. Fait que tout d'abord, il y a un comité de circulation à la ville de Baie-Saint-Paul. Puis là, ils font beaucoup, beaucoup de démarches au niveau du centre-ville 40 km/h. Vous avez sûrement remarqué là, les panneaux. Ça, c'est des actions qui ont été faites par les travaux publics pour vraiment sécuriser. Ben là, maintenant, là, c'est presque pas implanté partout, là, mais comme là, le secteur, évidemment, de la rue Forgette, mais aussi dans le Transim, c'est rendu 40 km/h. Dans plusieurs quartiers résidentiels, c'est maintenant ça. L'objectif futur, c'est un centre-ville à 40 km/h. Donc, les automobilistes ralentir, être plus conscients des passages piétons. Bientôt, on pourra faire ça à pied. Oui, c'est ça. Mais non, mais ça fait partie d'objectifs du plan d'action. Puis nous, tranquillement, c'est ça, vous l'avez remarqué dans votre environnement, puis ça fait partie des choses qu'on développe. Également, il y a des petits radars pour sensibiliser les gens, entre autres dans le Transim. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un radar pour, justement, c'est 40 km/h, mais des fois, je suis à 60, ah, c'est vrai, je suis dans une zone de 40. Puis c'est un radar qui est portatif, qui va se déplacer dans les quartiers pour aider à assimiler. Parce qu'on est habitué de rouler à 50, je pourrais dire, / 60, parce que des fois, Il y a des modèles de voitures, on dira ce qu'on voudra. Tu roules à 30 km, tu as l'impression d'aller vite. Puis il y en a d'autres où tu roules à 60, tu as l'impression de ne pas aller vite. C'est de la manière dont ça. Fait qu'il faut vraiment être conscient de la vitesse qu'on roule. Mm-hmm. Au niveau du transport actif, qu'est-ce qui est en train de se faire? Vous avez sûrement remarqué sur le boulevard Monseigneur de Laval. On voit les travaux, il y a un ralentissement. Oui. Ça, c'est une piste cyclable qui s'en vient, en fait, parce qu'il y avait une grosse volonté, puis on comprend les citoyens aussi, de relier tous les réseaux cyclables. Oui. Donc, on a un magnifique sentier pédestre au Parc Saint-Aubin. On a un bel endroit au Parc du Gouffre Transim, qui est vraiment le sentier Robert-Leboulin, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qui se fait? Il y a eu un pont qui a été fait, parce qu'il y a un petit ruisseau. À l'arrière du parc dans le Transim. Okay. Et maintenant, tout le secteur du Gouffre va être relié de façon sécuritaire au secteur Saint-Aubin. Ça se fait présentement. Donc,
sentier de l'écart, si je ne me trompe pas, en face du centre d'achat, mm-hmm. avec toutes des lumières là, que les piétons peuvent appuyer dessus, ça c'est vraiment sécuritaire, d'être capable de se déplacer et d'aller directement dans les sentiers. Pour rallier ce secteur-là, ça, génial, ça se fait cet automne. Ça, c'est dans l'action. Cette route-là, elle était très dangereuse. Ben oui, puis il y a de l'amélioration encore, là, ouais. ça c'est sûr, mais déjà de relier ces deux gros artères-là, c'est très positif là, pour les gens. Puis même les gens qui vont faire l'épicerie à pied. Tu sais, on parle de personnes. Et nous, des fois, c'est pas tout le monde qui a des voitures au centre-ville. Donc, ça va vraiment permettre d'avoir accès, tu sais, plus IGA, Super C, puis tu sais, le Maxi. Tu sais, il y avait déjà un beau sentier au Maxi. C'est une section très commerciale et très achalandée. Ben oui. Et ça circule rapidement parce que c'est de la 138, donc c'est la rue principale. Pour aller au centre d'achat. Ouais. Des gens du transit, maintenant, vont pouvoir pas faire le tour, là. Passer en vélo, aller au centre d'achat de façon sécuritaire. Fait que déjà, ça, c'est très bien. Et pour l'hiver, est-ce que ça sera ouvert, dégagé? Oui, normalement, c'est l'entretien. Parce que, en fait, c'est sûr que, comme, mettons, dans le parc du Gouffre et dans le parc Saint-Aubin, le parc Saint-Aubin, c'est utilisé pour faire du ski de fond. Fait que c'est sûr que c'est pas déneigé, ce sentier-là. Mmh. Mais les sentiers qui sont piétons, donc on parle, par exemple, du McDonald's jusqu'au centre des pompiers, ça, c'est déneigé. Mmh. Les secteurs près des routes. Donc, pour la mobilité, l'hiver, c'est fait. Mais dans les parcs en soi, normalement, c'est pas ça. Ça sert à d'autres fins. C'est davantage. Ben, pendant l'hiver, les parcs sont fermés. Fermés, ils ne sont pas fermés, mais ils ne sont pas utilisés de la même façon. Ouais. Je veux dire ça comme ça. Mais normalement, vu que c'est un secteur de mobilité, il y aurait un entretien qui serait fait pour la mobilité. Génial. Dernière chose que je vous parle au niveau de la communication, bien évidemment, vous avez probablement remarqué la page Facebook de la ville de Baie-Saint-Paul pour partager des informations qui ont été faites. Donc ça a été une action pour les familles, mais pour tout le monde, vraiment les familles globales. Qui n'a pas Facebook aujourd'hui? Ben, ça permet de partager l'information, puis en même temps de partager, tu sais, tout à l'heure, je parlais de nos collaborateurs comme le Centre des femmes, partager leur information, partager qu'est-ce que Forum Jeunesse fait comme initiative aussi, on le fait sur notre page. Ça permet de tenir informé. Puis il y a aussi une page qui s'appelle Carrefour culturel culture. Donc, cette page-là, elle est vraiment pour le monde culturel, donc tout ce qui a trait aux organismes, aux activités et tout ça, mais il y a beaucoup d'activités pour les familles quand même qui sont partagées sur cette page-là. Fait que je vous invite à les aimer, puis à nous suivre, puis ça va vous permettre d'avoir l'information. Donc, ça travaille fort, c'est un plan qui est bien étoffé. C'est ça, on est très dynamique. C'est un plan très étoffé. Alors, si on veut plus d'informations, on a tout ça sur la ville aussi. Si on veut savoir les actions pour le plan global, effectivement, c'est sur le site de la ville de Saint-Paul, le site de la MRC, qui c'est disponible. Sinon, c'est possible de communiquer pour le suivi de ce plan d'action-là avec Mme Claudia Bouchard de la table famille Charlevoix. Malheureusement, je ne me rappelle pas de son numéro de téléphone, vite comme ça. Mais chez table famille Charlevoix, vous allez avoir l'information sur Internet. Ou sinon, moi-même, Myriam Cloutier, mon bureau est au Carrefour culturel. Donc ça, c'est dans le 418-435-2540 au poste 5. Sinon, la personne qui me remplacera lors de mon congé saura répondre à vos questions. Merci beaucoup pour toutes ces belles informations. Bon succès très bientôt dans l'accouchement qui s'en vient. Mesdames et messieurs, on fait une petite pause et on vous revient dans quelques petites minutes. Voilà, nous sommes de retour, cette fois-ci avec Patrick Reduron. Bonjour. Bonjour. Patrick, du Centre Jeunesse Emploi, on a différents chapeaux d'après ce que je peux voir. Oui. En fait, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi. On utilise beaucoup le Carrefour Jeunesse. J'ai dit Centre, bien oui, Carrefour. Mais la confusion est répandue, mais tout ça, c'est chapeauté par les services de main-d'œuvre d'appui qui accueillent les Carrefour Jeunesse Emploi, les services pour les jeunes, le Carrefour Jeunesse Emploi, les services spécialisés pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, pour l'intégration en emploi. On a également nos services aux personnes immigrantes, donc qui arrivent, qui ne savent pas forcément comment ça se passe, en particulier pour l'intégration en emploi. On a intégré aussi, à partir depuis avril dernier, les ressources de Place aux Jeunes, qui auparavant étaient incorporées. Donc c'était des partenaires, et les deux ressources deviennent mes collègues. Et Anne-Julie Gagnon, d'ailleurs, va arriver dans le courant du mois de novembre, après un retour de congé de maternité. On a des nouvelles forces qui se joignent à nous. Et on accueille également, en fait, depuis ce mois-ci, le service d'accueil de la MRC de Charlevoix pour tous les nouveaux résidents. Et puis j'ai oublié de parler des immigrants, dont je m'occupe
plus spécifiquement. Donc, le fait que tout ce beau monde-là ou tous ces services-là se retrouvent sous un même toit, je veux dire, ça vient faciliter la coordination. Là. Exactement, pour mettre en place un plan d'action, un continuum de services, pour s'assurer que telle personne qui va s'en venir va recevoir les services qui sont appropriés et adaptés à ses besoins, que ce soit de la recherche de logement, si c'est un jeune, pas un jeune, si c'est un immigrant, on va pouvoir détecter quels sont ses besoins, s'il a besoin d'un complément au niveau de la formation professionnelle, par exemple, ou au niveau de la francisation. La francisation, l'apprentissage du français, c'est un grand défi pour Charlevoix. Bref, finalement, on se retrouve tous ensemble dans le même but, c'est de mieux accueillir et aussi retenir, parce que accueillir, attirer, accueillir et retenir, retenir, il ne faut pas oublier qu'on veut que les gens qui viennent s'installe. Exactement. Et ceux qui viennent, ceux qui parviennent à venir, ce sont souvent des gens qui ont des compétences professionnelles qui nous intéressent. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis la dernière année, on n'arrête pas de parler de pénurie de main-d'œuvre ou de rareté de main-d'œuvre, de déclin démographique. Malheureusement, c'est une réalité. Quelles sont les solutions ? C'est l'attraction de personnes, des immigrants, des pas immigrants, des jeunes, des moins jeunes, qui ont des choses à offrir pour combler les postes qui sont à combler. Et malheureusement, je dois vous donner une mauvaise nouvelle, ce n'est pas fini. On ne fait que vivre le début D'un migration déclin, négative. On appelle ça une migration négative en soi, les gens quittent la région pour s'en aller en ville. Le déclin démographique a commencé, ça fait au moins une dizaine d'années. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça ne fait que s'accentuer. Donc, il faut aller chercher des collaborateurs, des gens qui ont des forces, qui nous intéressent. Et des gens vont venir avec un emploi. Il se trouve que dans la région de Charlevoix, on est évidemment la région chouchou du Québec. On a une très belle visibilité et on a des employés. On y vient, mais on y reste pas, si je comprends bien. À cause du tourisme, il y a beaucoup de gens qui voyagent par leur profession dans le tourisme. Un cuisinier, ça voyage extrêmement bien, ça fait le tour du monde. Ouais. Un serveur bilingue, un réceptionniste trilingue, un moniteur de nuit, nommez-en là, des professionnels du tourisme et de la restauration, ça voyage très très bien. Alors ils voyagent, ils s'installent. Pas toujours, mais enfin, en tout cas, ils s'installent. Des fois, ils restent. Évidemment, on travaille pour qu'ils restent. Donc, qu'ils trouvent que la région est agréable. On met en place des activités de réseautage qui vont leur permettre... Parce que quand on vient de l'extérieur, moi, je le sais trop bien, la solitude, c'est quelque chose qui est extrêmement pénible et on veut éviter ça. Donc, on veut que les gens qui s'en viennent, les nouveaux résidents... Ce qu'on veut, c'est qu'ils créent des liens avec les gens de la place qui sont également intéressés à créer des liens avec des gens qui viennent de l'extérieur. Quelle est la principale raison si ces gens-là viennent? Parce que vous l'avez mentionné, on est une région chouchou de la province. Ils viennent, ils découvrent Charlevoix. Mais quelle est la principale raison qui fait qu'ils ne restent pas? Souvent, ce sont des gens qui sont en début de carrière et qui veulent voyager. C'est imprimé dans leur ADN. Mais des fois, ils n'en restent pas, mais souvent, ils restent également. Et puis moi, à chaque fois, c'est un succès. Lorsque j'ai quelqu'un, et ça, c'est un cas qui est vraiment typique, une personne qui arrive, elle est célibataire, elle est libre comme l'air, donc elle peut venir et repartir aussi quand elle le souhaite. Mais lorsque la personne me dit, j'ai un amoureux, une amoureuse, qu'est-ce que je suis content alors? Parce que ça, c'est une excellente raison de rester ici, une motivation, d'avoir un projet, de vie. C'est ça qui m'est arrivé, moi. Ben, exactement. Je viens de Sainte-Marie de Beauce, puis c'est mon travail qui m'a amené ici, mais évidemment j'ai rencontré un magnifique garçon sur la construction, qu'aujourd'hui on a une belle maison ensemble, puis tout ça, puis tu vois c'est ça qui a fait que je reste en Charlevoix parce que je suis une Beauceronne. De cœur, vraiment. Je serais revenue chez nous, mais là, j'ai choisi Charlevoix. Fait que c'est un peu Cet esprit-là. Félicitations. Mais c'est ça c'est l'histoire de Myriam. C'est une histoire qui est typique et qu'on apprécie énormément. Les gens restent pour des raisons de cœur. Donc, moi-même, je ne suis pas venu pour un emploi, je suis venu pour une personne, donc également pour des raisons. Donc, on devrait lancer une émission de rencontre pour les gens extérieurs avec les gens de la place. Ça augmenterait les chances. Oui, je pense que ça se fait naturellement. Pas besoin d'entreprendre. Moi, je ne peux pas le faire dans le cadre de mes fonctions. Moi, je travaille pour attirer des travailleurs. Le terme est très important. Mais éventuellement, est-ce que ce serait possible d'organiser un autobus
de personnes célibataires. On en a des célibataires dans Charleroi, j'en connais plein. Et on me dit, ah, il n'y a pas assez de monde, tout ça. Ben, pourquoi pas? Je sais qu'en Espagne, ça se fait. Des missions qui se font en milieu ruraux, comme un petit peu comme le nôtre. Et puis, lorsqu'il y a une cinquantaine de personnes qui vont rencontrer des gens de la place qui sont également célibataires et qu'il y a une personne sur les 50, c'est 2%, ça seulement, qui reste. Mais pour le village, c'est important. C'est une future famille, probablement. C'est peut-être une relève agricole. C'est peut-être quelqu'un qui a des compétences aussi qu'on cherche. Donc, je ne peux pas le faire, mais ce serait éventuellement une avenue à regarder. Mais si je comprends bien, Charlevoix, c'est pas une situation exclusive à Charlevoix, parce que toutes les régions, en principe, sont en train de vivre un dépeuplement. L'attraction de la ville, du milieu urbain, c'est là, c'est très, très, très présent. Oui, l'exode rural a toujours existé, c'est historique, mais vous savez, en France, ils ont mis en place des mesures, ça s'appelle le programme Vivre à la campagne, je crois, et pour la première fois depuis l'an dernier, on parle d'exode urbain. Ah. Ça veut dire que, globalement, les villes perdent de la population au profit des campagnes. Donc, c'est possible. Il faut travailler fort pour y arriver. Mais c'est possible. Et les gens quittent la ville parce qu'ils trouvent que maintenant, à la campagne, après une valorisation de l'image de la campagne, de la vie à la campagne, il se trouve qu'en comparant, on trouve que la qualité de vie en ville n'est pas si super que ça. Oh, c'est stressant, la ville. Puis dans Charlevoix, on le sait que c'est stressant. On va à Québec, hein. c'est à côté pour nous. Mais moi, quand je vais à Québec, qu'est-ce que je remarque? C'est le trafic, ça sent pas bon. Je m'excuse pour les gens de Québec, là. Mais comparé à chez nous, où l'air est pur, les ciels sont étoilés, où on prend le temps de vivre et d'apprécier le moment présent. On prend le temps d'apprécier vraiment ce qu'on a. Alors, on a une très, très belle région. Ah ben, moi qui ai vécu presque 30 ans en pleine ville, pour avoir travaillé centre-ville Montréal, c'est l'effervescence. Bon, dépendant de ce que l'on fait ou qu'est-ce qu'on vit, c'est beaucoup de choses en peu de temps. Mais moi qui aujourd'hui vis en région, dans la petite rivière Saint-François. Ben, vous êtes capable d'apprécier. Vous me dites demain matin, on va-tu faire un tour à Montréal? J'y pense 10 fois avant de dire oui. Ah, ça ne m'intéresse plus. Peut-être pour voir des nouveaux buildings, ça a poussé, ça a changé. Non, ou des spectacles particuliers, là, tu sais, quelque chose. Puis même là, je suis rendu que non, je préfère mon coin, je trouve mon bonheur, puis ça vient me chercher davantage. Alors, remarquez que je suis rendu à un âge où, comme beaucoup de gens, quittent la ville pour s'en venir en région, vivre des retraites et autres. Je suis chanceux, je suis encore actif, mais dans les circonstances, tant mieux. Il y avait dans le temps aussi le peace and love dans les années 60-70, les gens quittaient la ville pour s'en aller dans des communautés. Les communautés, effectivement, agricoles. C'était spécial, mais au moins, c'était un exode urbain vers les régions. Alors, si de fait, aujourd'hui, il y a un renversement de situation, mais tant mieux si on est capable de l'appliquer ici, dans une région comme Charlevoix. C'est ce qu'on espère, et évidemment. C'est l'ensemble des régions du Québec. Nous, on a peut-être un petit peu plus d'avance sur les autres, par contre, au niveau du déclin démographique. Là. Donc, on travaille, on met les bouchées doubles. Et puis, le fait d'avoir maintenant donc, le service d'accueil de la MRC de Charlevoix, plus place aux jeunes, plus moi avec les ressources, avec nos services en immigration, c'est sûr que c'est gagnant parce qu'on a centralisé tout ça et il n'y aura qu'un seul numéro de téléphone. Il n'y a déjà qu'un seul numéro de téléphone à composer, c'est le 88-45-25-03. Et à ce moment-ci, il y a une prise en charge à partir du moment où la personne vient d'arriver sur le territoire ou qu'elle pense venir sur le territoire, ou qu'elle a un projet. À ce moment-ci, on va regarder quels sont ses atouts, quels sont ses besoins. On va essayer d'anticiper par rapport à la famille, les enfants, la scolarisation, l'inscription au service de garde, au CPE, etc., etc. Est-ce que la langue française est un obstacle? Oui. Oui. Ah oui, surtout si c'est la québécoise. Mère nord-américaine anglophone. Oui, dans le sens où le français, on va se le dire, là, mais tout le monde le sait, le français, c'est une langue qui est extrêmement difficile. Ben non. À maîtriser, à part quelques exceptions. Non, c'est une langue qui est difficile à maîtriser, mais on est capable de se débrouiller, là.
Ceci étant, pour aider les gens qui sont d'une autre langue, là, on parle des allophones, ça ne veut pas dire allo téléphone, pas du tout, ça veut dire allo, ça veut dire au téléphone, bah, langue, le langage. On fait des activités, particulièrement cette année 2017, avec la MRC de Charlevoix et avec la MRC de Charlevoix-Est, pour permettre à ces gens de pratiquer le français. Donc, on a eu, en mai dernier, on a eu... une activité, c'était à l'Auberge de la Meuse, et c'était, comment ça s'appelait, Les Contes des légendes. Susanna en faisait partie, grâce à Fernandez aussi, qui est brésilienne, qui est résidente de Baie-Saint-Paul, et d'autres personnes, Flore, qui est flamande, oui, c'est ça, sont venues raconter des aspects de contes et des légendes de chez eux, attention, en français. Oh. Donc, avec un auditoire composé de personnes francophones et non francophones. Donc, ça a été un gros succès. C'est un défi, ça, c'est quand même tout un défi. Exactement, mais ça a été vraiment bien. Les gens ont collaboré facilement. On a un comité organisateur aussi où se trouvent justement Susanna, Annie Vaillancourt de la MRC de Charlevoix et France Lavoie de la MRC de Charlevoix-Est. Donc, ça a été la première activité. Il se trouve que lundi, là, on est dans la semaine québécoise des rencontres interculturelles, alors c'est fort à propos. Okay. On a organisé une autre activité, cette fois-ci à La Malbaie, où ça s'appelait le temps d'un verre, où on a mis en place une façon de faire pour que tout le monde se parle, évidemment en français, sur des thèmes divers. Et à la suite de ça, on a Suzy Gagnon, vous connaissez probablement, l'accordéoniste qui a travaillé longtemps pour le Cirque du Soleil. Ouais. Elle a voyagé dans le monde entier. Elle nous a fait partager son expérience d'intégration et de recherche du langage. C'est une femme absolument extraordinaire à quel point elle est intense. Dans sa quête, dans ses quêtes, un peu comme une artiste qui est une artiste, absolument passionnée, et elle nous a raconté des choses extraordinaires sur les choses qu'elle a faites, qu'elle a vécues pour se faire comprendre. Elle a appris le japonais, elle parle 7 langues, je crois, dont le japonais qui n'est pas la plus facile. Et sûrement plus difficile que le français. Oui, probablement, oui. Donc, c'était un témoignage absolument extraordinaire. Et puis là, on était une quinzaine. Dans la même lignée, d'ailleurs ces activités se sont faites avec le programme Valorisation du français auprès des personnes immigrantes du ministère de la Communication et de la Culture. Dans la même lignée, on va aussi organiser vers la mi-décembre, là, c'est pas réglé tout à fait, une activité de fin d'année, on va dire, qui sera culinaire. Donc, on va travailler sur... là, je ne peux pas vous en dire plus. On viendra, on discuter de mais, tout ça, c'est en cours pour ça. Donc, et ça montre la mobilisation des MRC à ce niveau-là, ça montre l'intérêt qu'on a ou qu'on devrait avoir pour justement accueillir des nouveaux résidents, qu'ils soient québécois ou pas. La commission scolaire, d'ailleurs, a mis en place pour une première fois cette année des cours de francisation à temps plein. C'est quelque chose qui est extraordinaire parce que, justement, la francisation, c'était quelque chose de compliqué auparavant, jusqu'à il y a quelques années. Elle met en place présentement, alors les gens qui sont intéressés devront appeler au 88-435-6802 poste 2300 au Centre d'éducation aux adultes ici à Baie-Saint-Paul pour des cours de francisation à temps partiel. Alors ce seront des formules de soir, 3 heures, des cours de 3 heures, 2 fois par semaine. C'est gratuit. Donc les personnes intéressées doivent appeler au numéro de téléphone que je viens donner. Aussi, on a d'autres personnes, on a des travailleurs temporaires qui ne sont pas forcément admissibles à la francisation, qui ne sont pas disponibles pour les programmes de francisation mis en place. Donc, ces personnes-là peuvent m'appeler au 435-2503, au Carrefour Jeunesse Emploi à Baie-Saint-Paul, si elles veulent donner un peu de temps pour accompagner des gens qui veulent pratiquer leur français, sous une forme de groupe de conversation en français, par exemple, ou sous une forme plus individuelle, c'est à voir selon les besoins. Ou si vous connaissez des personnes, parce que là, on parle en français, hein, oui. Me semble, hein, oui. qui aimeraient en savoir ou apprendre davantage du français, elles peuvent m'appeler. Donc, pour vraiment, on veut que tout le monde vienne et on veut que tout le monde reste. C'est pas les efforts qui manquent. Non. C'est pas l'organisation qui manque, d'après ce que je peux voir aussi.
Donc, c'est la motivation, quoi. C'est la motivation, exactement. Donc, nous, on travaille très, très fort. Et le dossier de l'immigration, en particulier, c'est un dossier qui a beaucoup évolué. Il a commencé il y a 11 ans pour tout Charlevoix. Et on est rendu vraiment à vivre et à constater ce qu'on prévoyait. Mais là, on est au pied du mur. Là, on doit, on n'a pas le choix. Pour faire vivre nos restaurants, pour faire vivre nos industries, pour garder nos emplois à nous, il faut compter sur l'apport de nouveaux amis. Alors, ouvrons nos portes. Souhaitons-leur la bienvenue. Exactement. Super. Patrick, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Herman. Petite pause, puis on vous revient immédiatement après. Alors, nous sommes de retour, cette fois-ci avec Susanna Ochoa. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien. On parlait francisation tantôt, oui. On parlait d'accueil. Là, on va parler espagnol. Oui, on va parler espagnol. Vous êtes une personne qui est venue ici au Québec d'abord. Oui. Vous ne parliez pas français? Oh non, non, non. Quand je suis arrivée, je ne parlais pas français. Rien, rien. Rien, rien, rien. Non, nada. Non, non. C'est du bon terme, nada. Non, 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 nada. Donc, moi, je suis un professeur d'espagnol comme deuxième langue de profession, ça fait plus de 20 ans. No? 20 ans en enseignement. Oui, okay. Oui, oui, oui. Donc, j'ai enseigné l'espagnol à beaucoup de nationalités. Quand je suis rendue ici au Québec, je ne parle pas, donc j'ai commencé à faire mon matériel et puis à chercher le vocabulaire et j'ai commencé à l'apprendre pour moi-même à la maison et j'ai pratiqué. Alors, l'approche a été de dire comment je vais apprendre le français, mais avec la technique d'enseignement que vous aviez. Oui, 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 oui. Et le vocabulaire, et puis j'ai demandé et quelques phrases. Comment est-ce que vous dites une phrase? Comment est-ce que vous demandez le prix ou quelque chose? Et puis, à partir de là, j'ai commencé à faire mes phrases et à pratiquer, mais le plus difficile, c'était la phonétique. Parce que oui, la prononciation est très différente. Quoique ces deux langues oui, oui. se ressemblent. Mais si vous l'écrivez, si vous le lisez, si vous le voyez, oui, ça ressemble. Mais vraiment, le français et le québécois, là, sont deux choses. Oui, deux oui, choses. Oui, okay. Oui, oui, oui. On a notre okay, propre moi, langage. Moi, j'ai appris le québécois. OK. Mm-hmm. C'est bien. C'est parfait, même. Oui, c'est ça. Dans les circonstances, vous donnez des cours, oui. C'est dans Charlevoix présentement, autant oui. Charlevoix-Est que Charlevoix-Ouest. Comment oui. ça fonctionne? Comment on peut s'inscrire dans ces cours-là? Bon, d'abord, il faut savoir que c'est un cours très intensif d'espagnol. On travaille très, très, très fort parce que on travaille dans la vie privée. Tout le monde travaille, il n'a pas beaucoup de temps. Donc, on travaille d'une façon très intense. C'est un espagnol pour voyager, pour parler. Pratique, vraiment. C'est dans le monde pratique des choses. Là. Oui, oui, pratique, et c'est de la vraie vie. Et puis, donc, je donne un cours de 6 semaines, qu'on travaille 2 jours par semaine, 3 heures chaque fois, chaque cours. C'est le soir? Le soir et le matin. Le soir et le matin, le selon les matin. Disponibilités selon des personnes. Selon les disponibilités, oui, okay. C'est ça. Mais oui, on travaille très, très fort. Donc, il faut vraiment s'impliquer pendant 6 semaines. Et pour mon expérience, il y a beaucoup de personnes, tantôt on a parlé de l'intégration, de l'amour, de personnes qui rencontrent les personnes. Et moi, je me suis mariée avec un Québécois. Ah, de là, le français québécois. Voilà, c'est pour okay. ça que je suis venue, parce que je me suis mariée avec un Québécois. Et puis, mon mari voulait apprendre l'espagnol. Donc, il est allé au Mexique et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Bon, c'est un beau mariage, ça, de deux langues et de deux cultures. Oui, oui, oui. Ouais. Mais je ne suis pas la seule, par exemple. Non? Mais non, 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 je ne suis pas la seule. Parce que, pour mon expérience, je vois beaucoup que parler une autre langue, ça ouvre les portes. Oui. Pour nous, les immigrants, c'est plus facile notre intégration. On se sent plus compris. Mm-hmm. Et puis, quand une personne parle l'espagnol, je me sens plus à l'aise.
parce que je sais qu'il va me comprendre un peu qu'est-ce que je veux dire. Donc, ça me donne plus de confiance. Parler en langue, c'est gênant. On est gêné de base parce qu'on a peur de se tromper. Là. Mais oui, surtout si nous sommes des adultes, on ne veut pas que les personnes se moquent de nous autres, on ne veut pas se tromper. Et puis c'est gênant, ça prend le courage, ça prend les valeurs. Et il faut perdre la peur. Ouais. Et ça, c'est une grosse barrière à tomber. Quand on apprend une autre langue, on est rendu dans le courage de dire, ok, soit que ce soit, je vais le faire. Je vais faire mon mieux et je vais prendre les risques. Surtout si on va apprendre une langue, je peux comprendre qu'il faut y aller d'une manière intensive. Parce que si on y va sur... disons qu'on prend du temps pour apprendre une langue, je veux dire, on oublie ce qu'on vient d'apprendre puis on ne peut pas le pratiquer. Donc, quand c'est concentré, ben là, on peut mettre en application ce qu'on vient d'apprendre. Oui, c'est ça, mais aussi, il faut voir quelle sorte d'étudiante. C'est une étudiante visuelle, comme moi, je suis vraiment visuelle. C'est une étudiante qui va capturer plus la langue pour l'oreille. Est-ce que c'est un étudiant qui faut qu'il mange, parle, écoute la musique, voit les films, qui voit tout dans l'ensemble. Donc c'est l'élève qui va chercher les moyens. Comment est-ce qu'il va pratiquer? Par internet, est-ce qu'il va voyager ou il va prendre des livres? C'est aussi le côté de l'élève, la motivation de l'élève, ses intérêts. Comment est-ce qu'elle va s'impliquer? On parle espagnol. Il y a combien de personnes qui parlent espagnol dans le monde? Oh, il y a 25 pays. Hein? Je crois que c'est la deuxième langue officielle. Mais la première, c'est le chinois. Le chinois. À cause de la population. Ouais, ouais. L'anglais On se va à l'anglais parce que c'est la langue universelle. Ouais. Mais avant l'anglais, c'était le français, par exemple. Je crois que l'espagnol est plus parlé que le français. Moi, j'aurais cru ça aussi. Oui. Ben, c'est peut-être une fausse idée. Là. J'ai cette impression-là parce qu'il y a beaucoup plus de pays et qui sont un peu plus populeux. Parce qu'on parle du Québec, on est un énorme territoire sur la carte du monde, mais en population... C'est tout petit. La France, il y a beaucoup de gens. Mais c'est sûr qu'il y a l'Afrique aussi, qu'il y a des pays qui parlent français. Non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, l'anglais, c'est la langue mondiale. Oui. On sait, mais avant, l'anglais... C'était le français. Donc maintenant, c'est l'anglais, la langue mondiale. Mais en question de population, on sait que c'est une des plus parlées. Oui. Ouais. Puis le Québécois, en général, quand il voyage, surtout l'hiver, c'est destination sud, alors plusieurs pays espagnols. En plus, c'est une langue charmante. Ben oui. C'est une langue romantique, c'est une langue brave, hein. C'est une langue forte, c'est une langue... courageuse, c'est une langue pour danser. Ah, oui, c'est une langue sociale. Et être sociable, c'est un défi que beaucoup d'élèves prennent le risque pour parler une autre langue, pour parler l'espagnol, parce qu'ils vont faire des amis. Quand vous voyagez et vous arrivez, et puis, ok, vous parlez français, vous parlez anglais, vous pouvez se débrouiller, c'est correct. Mais au moment que vous êtes capable de dire un mot dans la langue, mettons l'espagnol, et que vous êtes dans le bar et vous dites une cerveza, mais l'autre personne comprend et c'est comme, c'est magique, non? C'est apprécié. D'arriver à dire, buenos días, bonjour, c'est apprécié. Ouais. C'est comme l'anglophone qui arrive ici, puis... Ça nous encourage, hein? On lui demande quelque chose. « Sorry, I don't speak English » ou « I don't speak French », la façon de parler. On se fait dire ça souvent dans des magasins à Montréal. « Sorry, I don't speak French. Wow, je suis client, tu ne me parles pas en français. » C'est frustrant. Alors, si on apprend et on fait l'effort, je pense que c'est déjà communiquer avec la personne. En plus, les Latinos, on fait des amis. On aime l'amitié. Vous avez une joie de vivre. Oui, donc quand un étranger vient, il dit au moins « buenos días », c'est déjà plaisant. Donc « buenos días », on commence à parler. Bip, 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 bip. On a toujours l'impression des fois que vous êtes fâché tellement vous parlez vite, que l'accent, bien, les Italiens. mais c'est sûr, c'est normal qu'au début, on pense « oh, la personne parle très, très, très vite », mais ce n'est pas le cas.
Non? Non. Ah bon? Non, okay. L'espagnol, c'est vraiment. C'est l'accent qui fait que. C'est toujours c'est l'intonation, pas... là. C'est mais c'est parce qu'elle n'est pas habituée. Imaginez-vous. C'est parce qu'on ne comprend pas, ça a l'air vite. Je me souviens que j'ai commencé à apprendre le français, mais j'étais préparée. J'étudiais chez nous. OK, je vais à l'épicerie. Bon, je suis arrivée à l'épicerie, je faisais mon mieux et personne ne me comprenait. Donc, j'arrivais à la maison et j'ai pleuré. J'étais toute frustrée. J'ai pensé la même chose. Bzz, 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 bzz. Quoi? Mais ça devient tranquillement. Tranquillement, ça se vient. Votre expérience a fait que vous avez créé effectivement une brochure où on voit beaucoup, beaucoup de thèmes là-dedans. Oui, c'est ça. C'est par exemple, on va à la banque. Deux guides, la petite guide de poche. Oui, on peut traîner avec tout soi. Tout le monde l'adore, hein, tout le monde. Ouais. C'est très bien fait, très bien fait. Félicitations en passant. Merci. Et ça, c'est vraiment deux guides vraiment condensés. C'est 6 pages. Ouais. La petite de poche, ici. Normalement, on va voyager une semaine ou deux semaines, tout inclus. On n'a besoin pas d'un gros guide. Que c'est correct, mais moi, comme professeur, je dis que l'étudiant va tout parler, va tout utiliser, tous les livres. Mm-hmm. Ça va prendre beaucoup plus de place dans la valise. Là. Donc ici, c'est vraiment ce que l'élève va parler. Par exemple, on est en voyage, on manque de fonds, on veut aller à la banque, on a des expressions pour aller à la banque. Oui, vous savez ici, la prononciation, la présentation, la banque, comme vous venez de dire. Les chiffres, donc, vous savez, les heures, tout ce que vous avez besoin ici pour la banque, pas plus que ça. Pas plus déjà ça. Avec ça, on est capable de ça. Oui, c'est ça, les chiffres. Ouais. Les chiffres sont ici. Et pour les restaurants, que c'est ça, c'est là où on va parler plus. Oui. Dans les restaurants. Pourquoi? C'est comme au Québec, autour de la table. Oui, mais ici, c'est convivial. Oui, mais ici, vous êtes capable de dire « Ah, oh, je suis allergique. Okay. » Comment est-ce que vous dites « Je suis allergique à Cuba, au Mexique? » C'est un allergico? Oui. Mais tu dis « Soy allergico, d'abord. » Non, okay. Mais c'est très important parce que chez nous, les allergiques, j'ai jamais rencontré une personne allergique chez moi. Ah non? Vous mangez épicé, c'est pour ça. Donc, vous êtes habitué à... On mange ce qu'il y a dans la table. Ce n'est pas négociable. Tu manges ce qu'il y a. OK. Donc, nous avons de bons anticorps. Oui, c'est bien. Oui. C'est et oui, c'est sûr que ça existe. Oui, c'est sûr. Mais c'est très rare. Pareil. Ah oui, aucun. Peu d'allergies dans les pays. Vous venez de quel pays? Mexique. De Mexique directement? J'ai jamais rencontré une personne allergique. C'est sûr qu'il y a. Ouais. J'ai jamais rencontré. C'est pareil en Europe. Okay. Davantage les urbains. Les urbains doivent être plus allergiques que les gens. Imaginez-vous, vous arrivez chez nous, ah, je suis allergique. Oh, vous êtes allergique? Ah, mais c'est triste. Ok, je vous donne quoi? Des fruits de mer? Ça ne nous dit rien, pas vraiment. Ouais. Donc, et c'est dangereux. Donc, vous arrivez, au moins vous savez comment dire, je suis allergique, je suis diabétique, ou crise cardiaque. Ouais. Ils sont des choses qu'on ne pense pas, mais par expérience, je peux vous dire vraiment, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont étudiées avec moi pour voyager. Et puis, ils voyagent, et puis, ils vont à l'hôpital. Mm-hmm. Et puis, après, ils vont à la pharmacie. Oui. Et, oui, c'est ça, parce qu'ils sont des choses qu'on ne pense pas. Oh, je vais des vacances. Oh, oui, je vais prendre. Oh, il y a le soleil. Mais non, il faut que tu penses aussi que l'eau est différente, la nourriture est différente, que tu vas arriver, c'est la probabilité que tu vas tomber malade. Alors, on retrouve toutes les informations de base pour se débrouiller là-dedans. Pour l'aéroport, pour le restaurant, pour l'hôpital, la pharmacie, la banque. C'est ce que vous avez vécu quand vous êtes arrivé, que vous avez tout mis ça sur Oui, mais aussi, c'est un guide fait pour les francophones. D'accord. Normalement, on fait les livres, les guides. On se base sur la langue anglaise, mais ici c'est vraiment pour le Québec que je le fais. Mon point de référence c'est Québec espagnol. Chapeau. Oui. Si on veut s'inscrire à un cours, allez sur est-ce Facebook. Que c'est continuel ou c'est il y a des c'est dates précises? C'est plus pour saison. Par session. Oui, et pour saison, c'est plus l'automne, l'hiver et le printemps. D'accord. Oui, mais allez sur Facebook. Allez sur Espagnol pour voyager sur Facebook. Vous allez trouver des vidéos que j'ai fait
avec des petites vidéos, avec une information très brève, très pointue. Mm-hmm. Et vous allez découvrir comment est-ce que l'espagnol, c'est pas vraiment difficile. C'est pas difficile. Nous, on est privilégiés parce que ouais. Susanna donne des formations à TVCO. Mais oui, c'est ça, parce qu'on va recevoir beaucoup d'immigrants. Hein? Ben oui. Mais oui, on va recevoir beaucoup de tourisme. On s'organise, on travaille. Mais oui, on voit que hier, le tourisme, alors, les immigrants, déjà, et puis on brise, va se former. On brise la glace, puis on mais voit si. Un peu comment elle fonctionne, puis comment la matière, la langue, elle, mm-hmm. elle est transmise finalement. Alors, mais c'est... vous savez, si vous me permettez le commentaire, et dans ma carrière, je me souviens très bien, qu'une personne a quitté la thérapie pour s'impliquer dans l'écho. C'était magique. Apprendre une langue, c'est magique. Si c'est une langue de soleil, tant mieux. Et moi, je vois beaucoup de situations de personnes qui quittent la thérapie pour s'impliquer. C'est une thérapie, il faut se concentrer. C'est très motivant. C'est très motivant. Puis en même temps, tu avances, tu apprends des choses. Oui, c'est ça. Et je vois des personnes qui quittent l'alcool. Et le tabac, les drogues, ils s'impliquent. C'est super. Vraiment très, très motivant, c'est très réconfortant pour les professeurs. Alors, la prochaine session, elle serait après les fêtes? Après les fêtes. En janvier? En janvier, on va commencer en janvier. Puis si on veut s'inscrire, on va principalement sur la page Facebook? Oui, Espagnol pour voyager. Super. Oui. Susanna, merci beaucoup. Merci à vous. Petite pause, puis on revient immédiatement après pour la conclusion de cette émission. Alors, nous en sommes rendus à la conclusion de cette émission « Ça se passe chez vous ». Alors, comme vous avez pu voir, on a eu des sujets très variés et en même temps très mixés, considérant les invités que nous avions autour de la table. Pour terminer, bien, comme à l'habitude, on parle toujours d'un coup de cœur ou un « saviez-vous que ?» Puis on va faire un petit tour de table et Myriam va être la première personne qui va se prononcer avec son coup de cœur ou un « saviez-vous que ?» qu'on pourrait découvrir. Ben oui, certainement. Moi, c'est un restaurant que je vais vous parler. Qu'on connaissait, mais que moi, en tout cas, moi, je l'avais jamais fréquenté. Ça fait 5 ans que je suis dans la région. Puis, tu sais, c'est vraiment cette année, là, cet automne, qu'on est allé là avec mon conjoint. C'est le Café Saint-Laurent à Sainte-Irénée. Mais vraiment, un coup de cœur parce que c'est un très petit restaurant. Fait que l'ambiance est vraiment chaleureuse. Tu sais, c'est cuisine un peu. Je sais qu'eux autres qui sont empreints beaucoup de la Louisiane dans leur type de cuisine. Fait que c'est québécois, mais tu sais, une petite épice, là, des fruits de mer. C'est un peu ce genre-là. Mm-hmm. Puis, c'est les deux propriétaires. C'est vraiment très familial. Les deux cuisinent. La femme presse un enfer avec sa fille qui vient l'aider. Un de leurs fils aussi qui est là. Fait que c'est vraiment un beau milieu. Puis, si vous y allez à une période qui fait très beau, qui fait chaud, la terrasse, belle vue sur le fleuve. Puis les tables d'hôtes, je pense que c'était comme 20-25$. Donc, c'est très abordable. Ben, c'est une place où on apporte notre plus bain? Abordable, non. Non, ils ont une mais cave à bain. Mais ils ont une cave à bain en bas. Puis justement, vu que c'est très familial, on se sent un peu comme chez soi. Justement, la propriétaire, quand on est allé souper récemment, elle disait « Ah, ben pas de problème, descendez à la cave, allez voir oui, les bouteilles. » Ça. Fait que, OK, tu sais, c'est déjà... Je me sens un peu comme chez nous. Bon, c'est vrai. OK, je vais aller observer c'est quoi, les types de pays, puis essayer de faire agencer ça. Puis évidemment, ils peuvent vous donner des conseils aussi là, pour agencer, parce que des fois, ça peut être déstabilisant de choisir une bouteille de vin. Là, mais non, très belle expérience. Ça s'appelle? Puis, le Café Saint-Laurent à Sainte-Irénée, c'est juste en face de l'église. Et prenez-vous-y tout. Oui, c'est très petit. Que... faut vraiment réserver. Si vous appelez pas, ça se peut très bien, même pour un 2 ou 4 personnes, des fois. Deux, d'habitude, ça c'est plus facile, mais c'est achalandé. Bon, une bonne réputation. Oui, une bonne réputation locale, qui reste souvent les fins de semaine, pendant l'hiver en plus. Fait que c'est un restaurant que vous pouvez fréquenter à l'année. Merci. Voilà. Patrick? Oui, moi je vais vous parler de mycologie. Oh. La mycologie, l'étude des champignons, parce que c'est ma grande, grande passion. Il existe une page Facebook qui s'appelle le Cercle des mycologues amateurs de Charlevoix. Il n'y a pas vraiment de cercle ou de club constitué, mais c'est une page d'information qui est quand même assez intéressante où on invite les gens
à s'abonner, évidemment, ceux qui veulent, quel que soit le niveau, débutant, intermédiaire ou avancé. Donc c'est ça, à faire découvrir un petit peu les champignons inconnus qui ont été trouvés. Est-ce qu'on est choyé dans Charlevoix? Oui. Oui. Par contre, c'est une région qu'on connaît mycologiquement parlant, qu'on connaît très mal, ce qui a été très peu exploré. Je sais qu'historiquement, on avait le docteur Leclerc, qui était ministre de la Santé. Il était dans le bout de la Malbaie, il était impliqué. Il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a le Cercle des mycologues amateurs de Québec, qui lui a un très gros groupe, un très gros club, qui ont fait déjà des expéditions aux Morilles, et aussi dans le lieu qui est maintenant occupé par le camping des Chutes Fraser. Donc c'était les Chutes Fraser à l'époque. Donc c'est ça, il y a beaucoup de choses à faire. L'an dernier, on a fait venir un expert mycologue, Jacques Landry, qui est un docteur émérite, en tout cas quelqu'un d'absolument fabuleux, qui est venu pour un cours d'introduction à la mycologie. On va certainement regarder pour l'an prochain, à peu près en avril-mai, si on ne pourrait pas faire venir un Roland Labbé, ou un Roland Labbé, dans mon langage, c'est quelqu'un qui vraiment, on est dans le top, dans ce qu'il y a de mieux. Et au Québec, par contre, la mycologie est très, 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 très avancée par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Mais donc, c'est ça, je vous invite à rejoindre la page, à vous tenir au courant des activités. On a fait aussi une sortie mycologique. On était 12, 13, là, c'est quand même pas si mal pour une première, et c'était en octobre, je ne me souviens plus exactement la date, où on est parti en gang pour partager un petit peu nos connaissances, nos découvertes, et puis en apprendre un petit peu pourquoi tel champignon est de telle famille, est-ce qu'il est comestible, est-ce qu'il ne l'est pas, plusieurs sur ce que l'on voit, là, sur une base régulière, quand on fait une marche en forêt. Disons que je vois sur 10 champignons, est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont mangeables, comestibles, versus... C'est une excellente question. On a 2693 champignons recensés, identifiés au Québec, et il y en a 20 qui sont classés, seulement 20, qui sont classés excellents comestibles. Nous, dans Charlevoix, on a la chanterelle. Moi, j'y vais. Oui. On a la chanterelle, on a les cèpes, on a les morilles, on a des champignons qu'on ne peut pas avoir à cause de notre végétation, de notre écosystème. On n'a pas les trompettes de la mort, mais on a aussi des champignons qui sont absolument méconnus du grand public, mais qui sont vraiment écœurant, là, je m'excuse du terme, là, mais c'est vraiment ça. À déguster. À déguster, le lactaire couleur de suie, on a le tricholome prétentieux, on a les chanterelles en tube en ce moment, on a les pieds bleus, et ça achève très bientôt avec le froid, le gel qui s'installe. Donc, on devrait les marier avec un bon vin. On devrait faire une dégustation de champignons. Lors d'un cours d'espagnol. Non. Oui, c'est ça. Pendant qu'on déguste le vin. Et voilà. Yes. Susanna? Moi, avant de me marier, je lui disais à ma mari, j'aime beaucoup cette région. Donc, je voulais rester à Charlevoix. Donc, j'aime beaucoup Baie-Saint-Paul parce que ça m'a fait, c'est un petit village, que ça m'a fait penser beaucoup à ma ville, mon village au Mexique. C'est petit, c'est pintoresque, le centre-ville, c'est vraiment charmant, on peut marcher, on trouve beaucoup de restaurants, de magasins. Donc, c'est très artistique. Donc, ça m'a fait penser beaucoup à mon village au Mexique. Et puis, quand on voit pour Charlevoix, et puis on prend la route, on est toujours à côté du fleuve. Et puis, à partir de la Malbe, Saint-Siméon, Baie-Sainte-Catherine, on a toujours les baleines. Et c'est vraiment, vraiment magique. Alors, Charlevoix, c'est un coup de cœur. Oui, ce sont toutes saisons, hein? N'importe la saison. Oui, hein? Effectivement. Oui, quand je viens de faire des salons de vin de Montréal, de Québec, même si c'est l'hiver, j'arrive chez nous, je vois tout blanc l'hiver. C'est bon. Parce que Susanna est aussi sommelière. Donc, les vins, on peut en parler. C'est pour ça que les vins, champignons. Oui, super. Il va falloir refaire une autre émission là-dessus. Oui. Hey, merci beaucoup pour vous être déplacé et de venir à cette émission. Ça se passe chez vous. Moi, je vous dis à très bientôt et restez à l'écoute pour en savoir davantage sur tout ce qui se passe chez vous sur les ondes de TVCO. Merci.